C'est où ma prétendue, c'est où ma gagnée. Bonsoir, et nous comptons Guillaume ensemble avec nous l'émission d'aujourd'hui. Bonsoir et bonsoir à vous-même, bonsoir avec tout auditeur, auditrice, et radio Émancipation 90.7. Donc c'est un plaisir, je dis à vous, nous capables de participer dans une belle chose, dans une grande chose qui l'a sous cadran pour exalter bénir le nom de l'Éternel. Alors, Maître Bertin, Maconnet, nous toujours entendons parler Bertin, adorateur, etc. Mais finalement, c'est qui vrai nom? Donc, c'est Bertin d'Orville-Mort. Donc, c'est ça qui est dans l'acte de naissance, non? C'est Bertin d'Orville-Mort. Donc, adorateur, là, il y a quand même dit, maestro aussi, il y a quand même dit, mais c'est parce que mon Dieu confie dans un ministère pour lui, un ministère que nous avons exercé vraiment en musique. Donc, c'est ça qui fait son mieux, quand on dit adorateur, là, quand on dit maestro, mais non, c'est Bertin d'Orville-Mort. Bertin d'Orville-Mort. Ok, alors, on va Bertin d'Orville-Mort. C'est qui sont faits comme activité, autre que chanter, qui est-ce ou il même en soi? Très bien, donc, mon Dieu, quand on dit voir son jeune, donc, même si ce n'est pas sous télévision que nous y est, mais il y a une idée que voir son jeune, mais son jeune qui est marié, qui est un foyer, qui a fait diriger que bon Dieu, là, non. En plus de chanter, nous sommes éducateurs de formation, nous étudions les sciences de l'éducation. Donc, dans le temps, nous avons dispensé des cours de littérature, des cours de Bible, des cours de français aussi. Mais pour le moment, nous n'avons pas vraiment à l'exercer dans le domaine éducatif là, même si c'est dans ça que nous avons des formations. Nous sommes home studies aussi, nous avons un studio d'enregistrement que nous travaillons, côté que nous avons supporté des jeunes talents, même j'ai avec moi des jeunes talents qui peut-être gagnent des inspirations que Bon Dieu Bayo, mais malheureusement, peut-être par manque de moyens, n'est pas capable de présenter œuvre Sayo au grand public. Donc, à l'aide de studio ça que Bon Dieu Bayo, même si c'est pas un studio qui court, finit fait des fournis, mais nous commençons à offrir des services. Et c'est là-dedans même aussi que nous produisons des œuvres que Bon Dieu lui-même inspire. Nous persévérons dans l'église de la Grâce, qui est du côté de Bourget. Et nous profiter ça de tout le monde de l'Église à côté, particulièrement mon pasteur Aventure, Lerbourg. Nous, c'est ouvrier dans l'Église, il y a un qui a prêché la parole de Dieu. Et nous gagnons amour et passion pour l'adoration. Et c'est ça qui fait que nous à peu près dans le ministère ça. Et nous avons des accompagnements aussi avec des équipes de louanges qui sont responsables pour conduire le bon Dieu à notre culture. Donc nous bail et puis nous enseignons groupe, enseignons chorale. Donc c'est, en gros c'est ça que l'adorateur développement fait comme activité en plus de sciences de l'éducation que nous étudions. Alors, on nous essaie ensemble et comme ministère de commerce. Est-ce que c'est un monde qui fait une famille chrétienne, qui grandit l'église, comment ça a été? Parce que moi, je crois que ça paraît tomber au matin pour choisir et l'assaut pour mon Dieu. Il ne soit dans la chambre qu'elle soit là maintenant, donc il faut que vous côté sorti. Exactement. Donc tout le monde qui arrive dans un point, donc il y a un point de départ. Donc nous, heureusement qu'a dit que nous faisons dans une famille, côté que nous jouons maman, nous jouons papa, nous. Nous parlons l'église. Nous jouons pas l'église, nous jouons que soeur, nous grandissons dans une famille chrétienne, en résumé. Mais nous remettons ça, nous ne pas faire tout chrétien. Donc même si que nous faisons dans une famille chrétienne, nous pas de jeune maman, et deux rois, j'aime bien l'habitude dit. Mais nous-mêmes, nous avons pris une décision pour nous remettre Jésus qui l'a vu. Non, c'était dans l'année 95. Donc, j'ai oublié ça, c'était dans l'année 95. Je ne me rappelle pas de date là, mais c'était un jour mardi. C'était un jour mardi dans l'année 95. Donc, nous l'Église, nous toujours encouragé le monde qui est responsable de groupes d'adolescents, de groupes des enfants dans l'Église, pour que vous puissiez faire notre travail. Ça, parce que le travail, ça a grandi l'importance, a grandi la signification. Donc, tout travail que nous avons fait pour le Seigneur a grandi l'importance, mais toujours côté encouragement particulier
avec nous qui travaillons Timon, parce que nous sommes ici là pour commencer à chanter dans le groupe Timon. Le groupe Timon qui est à l'intérieur de l'église, nous commençons à chanter là. Donc, mais ça, ça veut dire que la safran Timon. Exactement. Exactement. C'est là que nous commençons à chanter, donc à faire cette expérience, camper devant le public pour nous chanter. Après, nous sommes responsables d'un groupe de jeunesse aussi dans l'église. Non? Donc, nous profitons de saluer toute association de jeunesse qui travaille, qui fait des efforts. Donc, bien que nous avons remarqué qu'il y a une sorte de découragement ces jours-ci au niveau de jeunesse. Donc, pour encourager les jeunes, baitant dans l'association juvénile, donc c'est là qu'ils sont capables de commencer par développer les capacités que bon Dieu lui-même met dans eux. Mais officiellement, nous avons parlé, pour résumer, nous avons commencé avec le travail, ça c'était en 2008. C'était en 2008 que nous avons commencé une carrière de manière officielle dans la musique, mais c'était au niveau de la ville de Gonaïves. C'était au niveau de la ville de Gonaïves, c'était à partir d'un concours que nous avons participé, et puis un concours qui était en valeur jeune talent, et puis nous avons participé, nous avons remporté le deuxième prix dans le concours ça, et c'est alors à partir de concours ça, et puis nous avons joint de monde qui encourageait nous, et puis nous même aussi dans le temps de prière que nous passions avec bon Dieu, donc nous sentions vraiment c'est un ministère, c'est une vocation pour nous continuer à chanter pour bon Dieu, et c'est ça que fait jeudi à nous œuvrer dans le ministère ça avec notre travail pour le Seigneur. Donc pour me résumer beaucoup là, donc c'est de là que nous sortis pour nous arriver là jeudi à nous travailler et nous continuer à livrer nous chaque jour avec bon Dieu pour capable toujours jouer nous comme un instrument pour capable porter nos lits à travers les nations. C'est où ma vraie